Edimos, bonjour à toutes et à tous. Pour ce projet, nous avons choisi le thème des hirondelles, car c'est une histoire qui nous est proche. Les hirondelles font partie de l'histoire du Pays Basque, et il nous était important d'en parler. Nous avons découvert que l'immigration n'est pas juste ce qu'elle est aujourd'hui, mais aussi ce qu'elle a été avant. Il y a pourtant beaucoup de similitudes entre ces deux époques. Les conditions des migrants sont tout aussi dures. La vérité est tout aussi violente. L'histoire se répète. L'immigration est un sujet d'actualité et il est important d'en parler. Ce n'est jamais assez. Nous remercions donc ceux qui ont organisé cet événement. Merci aussi à nos professeurs qui nous ont incités à y participer et à toutes les personnes qui nous ont aidés pour le projet. Sans parler de ceux qui nous ont permis de le faire en basque, dans notre langue. Notre court-métrage est en effet enregistré en basque. L'immigration est aussi un échange de culture, de manière de vivre et de langue. Notre langue, notre culture, notre manière de vivre sont importantes à nos yeux. Depuis tout petit, nous avons parlé en basque, appris en basque. Et malgré ça, nous n'avons pas le droit de passer des épreuves de nos examens dans notre propre langue. Pourtant, n'est-ce pas ce concours même veut nous enseigner? Accepter la différence? Eh bien, notre différence n'est pas acceptée. Notre différence, c'est notre langue. Et tant que cette langue ne sera pas respectée, tant que nous n'aurons pas le droit de passer le brevet et le bac entièrement en basque, notre différence ne sera pas acceptée. Suen denen beharra dugu gure borrokarako. Brebeta eta basoa euskaraz.